La mort des gardiens de la galaxie. Après avoir quitté les gardiens, Peter Quill prendra les commandes du peuple de Spartax qui subira une lourde attaque d'un groupe portant le nom de l'Église de la Vérité, dont le leader n'est autre que le héros de Galactus. L'attaque conduira la planète de Star-Lord à la destruction, et c'est ainsi qu'on le retrouvera des années plus tard, alcoolique et en pleine dérive dans l'espace. Ramené à la raison par ses anciens amis, Peter Quill prendra quête d'un ultime combat afin de protéger la galaxie. C'est ainsi qu'il prendra le chemin de la Terre qu'il retrouvera dans un piteux état puisqu'elle a été conquise par la plupart des grands méchants de l'univers Marvel. Et comme un malheur n'arrive jamais seul et que l'alcool accompagné d'un traumatisme est souvent synonyme d'hallucinations dégénératives, Peter réalisera au cours d'un combat qu'en réalité, Rocket, Gamora, Drax et Mantis n'étaient bel et bien plus de ce monde car ils avaient péri au cours de l'attaque de Spartax. Mais étant un éternel héros dans l'âme, Star-Lord s'unira au nouveau héros de la planète Terre afin de faire front au terrible Docteur Doom, mais également à Galactus qu'il retrouvera dans un ultime combat où il en sortira victorieux. Et c'est après cette ultime quête qu'il réunira une nouvelle équipe de gardiens de la galaxie.